Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à un son qui m'a été très très demandé également. DDB featuring H Magnum et Lefa. Chaud 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 chaud. Bah déjà tu vois un H Magnum et Lefa, deux rappeurs français avec un DDB. Maintenant je connais un peu le bonhomme, ça peut être que chaud. Et let's go. Let's go. Sam sort de beat, you know. Tout d'abord, God bless me. Non, les jaloux vont pas grossir. Gucci, Gucci dans mon dressing. Millions d'euros pour que groupie. Rolex au poignet, bad breaking. Panamera dans le parking. Ce genre de vie que les gros kiffent. Nouvelle année pour un gros fil. Bébé, tu seras mon avenir. Y'a du champagne, sois pas timide. On passera le week-end à Assini. Et je vais taper les Katsumi. J'suis dans la ville, j'suis dans le bang. Chez nous, ça fait clic, chez nous, ça fait bang. J'suis dans le vif, tu connais le gang. Casque à le bling, again and again. Yo Zizi, viens encore mon frérot. Vous êtes assigné? Ok, je vous rejoins. Je suis sur le toit de l'hôtel, mon négro Didi m'appelle. Le fa, j'ai reçu des prods, passe au studio dans la peine. Envoie n'importe laquelle, j'ai déjà comment je vais la ken. Ouais. Le temps fouillé dans mon phone. Ah, toujours du lefa. L'album est sorti, le produit est cali. Le produit est calibré, j'ai traumatisé la cabine. C'est pas du son pour les gamines, c'est pas du son pour les gamines. À part les jaloux qui veulent pas liker. Et les crevards qui veulent pas raquer. Tout le monde me valide, tout le monde me valide. Et cavaler derrière les bénéfices. Toute l'année, mais j'ai rien dépensé. Le comptable a dit faut payer le fils. Quoi là, ça me fait le mal d'y penser. Je vais encore devoir quitter le bled. Peser le game, j'avais pas fini. Moi, ça me dérange pas d'être assigné. À résidence, si c'est assigné. Feu de camp tous les soirs à franchement, ça fait plaisir, tu vois la force qu'il donne. Avec sa petite gombi, elle a mis son bikini. Bikini, après pour nous, c'est fini. Tout ce qui se passe à Assini. Hey. Oh, oh, no. Avec le vent sur le pont, il a donné ça que dire qu'on est très riche. On fait mon corps à Schmag et Hal, un aussi au volant accompagné de bad bitch. On finit boulot tard, prends la route avec eau de Bogota. Garde cordon, pas besoin de Beretta quand j'arrive sur le rinté. J'appelle IDR, Tommy Nico Style. Les braves sont calés, les petits sont calés. La OG est calée, d'un fini qui s'y fait m'enfaler. Les braves sont calés, franchement, les petits sont calés. La OG est calée. Je regarde un peu comment ça joue. Oh, oh, no. Hippolyte et Banichi. Finissez la balle. Oula. Ça part comment là? On m'a pas prévenu là. On m'a pas prévenu les gars là. Et déjà j'étais en train de m'adapter au flow. J'étais pas prêt. Et il balance des sons comme ça. C'est la fête, mais bon, on va pas trop parler. Tu connais Assini? Est-ce que tu connais Assini? Tu connais Assini? Est-ce que tu connais Assini? Eh, Assini. Eh, Assini. Assini. Oh, Assini. Oh, Assini. Hey, Assini. Oh là là. Ça arrive derrière ou quoi? Ok, en fait déjà j'étais même pas prêt, déjà je vois H Magnum et Lefa,
Je vois les deux là, comment ils arrivent déjà. Je me concentre dessus déjà, je vois. Parce que je vois comment il est, Didi B, je sais, il va rentrer, il va tout dégommer. Donc déjà, en fait, je me demande, est-ce que Didi B, il est plus chaud que les deux? Après, j'ai dit non, il y a quand même une fusion qui sont respectées. Mais voilà, chacun a son élément qui apporte au son. Et ça le fait, franchement, ça le fait grave. T'as une bonne pro, t'as des bons featuring derrière. Et j'ai beaucoup aimé à la fin. Ah, tu mets des sons comme ça derrière, pépère, faut pas le fa trop de flou, ce mec. Ah non, ce gars-là, il est trop chaud. Le fa, ça me dérange pas d'être assigné à résidence ici, c'est assigné. À résidence ici, c'est assigné. Franchement, seuls les vrais connaîtront la lourdeur du couplet de H Magnum. Si tu es calmeur, tu as reconnu le We Take Another Shot de notre Dr. N'Cage, réalisateur très talentueux. Le clip est propre. Qui fut surpris comme moi à la fin? Ok, We Take Another Shot. En fait, c'était un gars qui est très très chaud, le réal derrière. Didi B, il est l'artiste ivoirien le plus influent de l'année. Ce tube est aussi le meilleur hit de l'année, si t'es d'accord. Heureusement, c'est remix, hein, le fa est trop pur, ça se sent qu'il n'a pas forcé. C'est des ouf, H-Magdom a apporté la machette. Franchement, en fait, j'étais plutôt choqué parce que je me suis dit, il a fait une vraie connexion. Franchement, il a fait une vraie connexion et c'est chaud, franchement, t'es pas prêt. Et quand tu vois les trois, ça le fait super bien ensemble. Et il a fini le remix avec un son derrière bien propre et tout. Et beau clip, il faut clipper bien, hein, ce genre de clip. Tu peux pas te permettre de rater des feats comme ça, c'est pas à tout va. C'est comme le feat avec Niska de Fjord de Björn. Tu peux pas te rater sur un clip comme ça. T'as des gros poids qui arrivent. Tu dois faire ça au plus haut point. Et voilà, le fa, il a envoyé la saleté H Magnum aussi. Qu'est-ce que je retiendrai dessus? DDB est présent. DDB, moi je retiens que DDB est présent au milieu des rappeurs français. Et ça, je le vois peut-être après avoir écouté DDB. Parce que maintenant, je vois un peu le truc qu'il donne. En fait, il a un engouement tellement fort. Après, bien sûr, H Magnum et le fa. Qu'est-ce que tu veux leur reprocher? C'est des mecs qui sont très talentueux au niveau des paroles, lyricistes, flow, tout est impeccable, tu veux faire quoi? Ils ont envoyé, ils ont donné comme ça, tu vois, ils ont envoyé, ils ont donné la force et ça fait plaisir de voir ça en tout cas. Merci à tous ceux qui me l'ont demandé parce que c'était un bon son, un bon remix et les trois ensemble, ça fait une superbe fusion, donc magnifique. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao!